En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ordonne la réouverture de l'arrondissement de Bamako à compter de ce jour, vendredi 31 août 2018. Voilà qui met définitivement fin au non-fonctionnement des bureaux de l'arrondissement de Bamako suite à une crise engendrée par l'annulation de l'élection d'un conseiller communal de commun élu chef de cet arrondissement. Une crise longtemps entretenue par des mains invisibles qui poussaient les populations de la localité à la résistance du règlement de cette malheureuse situation. À chaque étape de la crise, les populations ont été prises en otage par les manœuvres souterraines de mains invisibles qui donnent du fil à retordre aux nombreuses tentatives de conciliation qui, dans la plupart des cas, se sont soldées par un échec. Ne pouvant laisser perdurer cette situation avec ses conséquences sur la jouissance des populations au service de l'État civique, le préfet du Mono a saisi le gouvernement pour la réouverture de l'arrondissement de Bamako. C'est pour cette raison qu'à travers le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, des instructions ont été données à l'effet de rendre effective cette réouverture dans l'intérêt supérieur des populations qui ont souffert pendant plusieurs années de cette situation malencontreuse. Cumulativement avec ses fonctions actuelles, le maire de Komé promet se mettre résolument au service des populations de Bamako pour réparer dans la mesure du possible les dommages qui leur ont été causés par la fermeture de leur arrondissement. Enfin, l'arrondissement de Bamako s'ouvre après deux ans, deux bonnes années de fermeture, deux bonnes années d'inactivité administrative. Ça pèse lourd. Nous allons nous mettre désormais au travail pour rattraper ces deux années-là. Essayer de faire de telle façon que toutes les inscriptions de naissance qui ont eu lieu soient transcrites de façon tout à fait régulière et aussi vaquée à la légalisation des documents qui vraiment pose de sérieux problèmes à mes concitoyens. Pascal Ressou invite les populations de Bamako à s'unir pour le développement de leur localité. L'union ne peut faire que la force. C'est tous ensemble que nous pouvons bâtir notre cité. Personne à notre place ne le fera. Donc, j'invite et jeunes, et enfants, et femmes, et sages à s'unir, à se parler. Nous sommes tous des frères. Qu'on se mette ensemble pour faire grandir notre arrondissement. Avant de quitter les lieux, le préfet du Mono a donné toutes les instructions nécessaires pour le bon fonctionnement des bureaux de l'arrondissement de Bamako.